Vous savez, quand les maisons sont expropriées, on procède en faisant des ventes aux enchères et on donne trois fois la priorité au niveau du prix aux résidents locaux sur les non-locaux pour éviter une infiltration massive. L'ascenseur, c'est obligatoire. Il faut deux issues. L'ascenseur, évidemment, il n'y a pas d'escalier anti-incendie. Regardez à droite, vous voyez cette construction là sur notre droite. Ça, c'est le premier cinéma du quartier qui a été assis dans des fauteuils de velours au moins cramoisi là, pourpre. Dans des petits balconnets en stuc doré. Et en contrepartie, on a une discothèque qui a été récupérée dans une église des studios. Vous avez remarqué que dans ce quartier, les avenues, au lieu de porter des chiffres, ont des noms de personnes célèbres de la culture noire. Mais vous, vraiment une vision du tiers-monde. C'est la 5e avenue. La 5e fait 18 km. Donc il y a des endroits très beaux où vivaient Jacqueline Kennedy et compagnie. Mais regardez ici, et vous remarquerez, entre Harlem et le lieu où habitait Jacqueline Kennedy, il y a peut-être 15 pâtés de maisons, c'est tout. Cette ville est vraiment faite comme une marqueterie. On passe de A à Z sans transition aucune. Vous voyez, 5e avenue. Vous voyez les terrains vallants. Oui, ah oui, oui.
regarder à gauche et on va voir une structure étonnante qui s'appelle, qui est le musée Guggenheim, que vous connaissez peut-être le nom, et qui a été fait par le grand architecte de New York, qui s'appelle Frank Lloyd Wright. Et c'est l'unique objet, l'unique monument fait sien, et la partie impressionniste qui est vraiment aussi très très belle. Et ici, vous voyez, au niveau résidentiel, c'est le quartier le plus cher de New York. On va s'arrêter plus bas, visiter la tour de Monsieur Trump, pour s'arrêter et voir la dimension de l'architecture qui est très belle. C'est une immense tour avec des cascades qui tombent sur 8 étages à l'intérieur. C'est tout en marbre rose et ça fait un effet de vertige parce que bon, il y a des escalators. La mairie a été faite par un architecte. Thank you.
Alors nous sommes sur le bateau qui nous amène à Liberty Island, qui est là. Et donc on est parti de Battery Park ici, en sachant donc que Manhattan, c'est l'île qui fait donc toute cette surface-là. Et là, nous avons la vue de New York, vue du ciel. Ensuite, une fois qu'on a été sur l'île de la Liberté avec la statue, on s'est rendu en bateau toujours à Ellis Island pour voir donc le musée de l'immigration. Et nous sommes revenus sur Battery Park pour rejoindre donc le sud de Manhattan, downtown. Thank you.
Attendez, il pousse toi. Allez, 6 mètres là, t'exagères là. T'as le droit d'ouvrir les yeux. Là, nous étions sur le pont de Brooklyn qui se trouve donc ici, qui rejoint donc, qui relie l'île de Manhattan au quartier de Brooklyn. Et nous allons mieux le voir sur une carte un peu plus détaillée. Voilà donc du pont de Brooklyn. Normalement, si on avait eu assez de batterie, on aurait pu donc prendre des prises de vue depuis le milieu du pont où on a été. Et on avait la vue sur la statue de la liberté. Et la vue sur l'Empire State Building, donc qui se trouve ici, et où on se rend le lendemain, et où on a pris des prises de vue donc depuis le haut d'Empire State Building. Là, vous avez Central Park. Là, vous avez les Nations Unies et l'auberge, donc les 47e rue, juste ici. Yksinäinen talo tuolla. Tässä Citibank. On Citibank. Central Park. Sur la gauche, donc, c'est le Hudson, la rivière donc, qui longe Manhattan du côté ouest. Et sur la droite, donc, c'est le East River, c'est la rivière qui longe donc Manhattan du côté est. Et derrière Central Park, donc c'est le quartier de Harlem. Alors là, on est orienté plein sud.
Donc sur la droite c'est Nelson. On voit en face les deux tours jumelles. Et donc Downtown. Et sur la gauche, c'est donc East River. Et au fond, on voit la Statue de la Liberté sur son île. Qu'on a visité donc hier. Donc en face, on voit le pont de Brooklyn, le pont où on a été donc hier, sur lequel on a fait des prises de vue, et d'où l'on voyait donc l'Empire State Building où nous sommes ce matin. Et donc de l'autre côté du pont du Brooklyn, bien sûr, le quartier de Brooklyn. Alors de l'autre côté de Houston, c'est l'état du New Jersey, c'est donc la ville de Newark, N-E-W-A-K, c'est là que nous avons atterri. On va essayer de zoomer sur l'aéroport. Donc là, on est orienté vers le nord de Manhattan. On voit au fond un pont. Je vais essayer de zoomer sur le pont. Donc c'est le pont que l'on prendra après-demain pour rejoindre l'aéroport. On quittera donc l'état de New York pour aller dans l'état de New Jersey, puisque c'est là que l'aéroport se trouve. Sinon, donc le Central Park, c'est là où on ira demain. Demain matin, on fera donc un tour dans le Central Park pendant 2 heures. Et on partira de Central Park pour aller au Yankee Stadium pour voir le match de baseball. Le Yankee Stadium, il est au nord de Manhattan, un peu plus loin que le quartier de Harlem. Voilà, c'est quand même une grande ville, hein. Grande ville du monde. Voilà, on est orienté de nouveau plein sud, donc le quartier de Wall Street qui est dans Downtown. Et je vais essayer de faire des zooms sur des terrasses, mais c'est surtout quand on est orienté plein nord que l'on peut voir sur certaines terrasses des gens qui sont dans des transats en train de bronzer. Bon, là on voit mieux, mais c'est sur une photo. Donc on voit Central Park juste derrière ici, et nous sommes exactement situés à Columbus Circle, c'est-à-dire que le parc de Central Park est sur sa largeur ici. Nous avons ici le Plaza Hotel où nous attendait le bus pour nous emmener au Yankee Stadium. Par les gratte-ciel, et donc sur lequel se trouve le musée de l'immigration et qu'on a visité hier également. Voilà, là
on la voit bien, elle est moins floue, mais c'est sur une photo. Alors dans les avenues, qui sont toujours orientées du nord au sud, on voit bien les taxis new-yorkais, tout en jaune. Et les rues donc sont orientées toujours est en ouest, donc c'est facile à se repérer. On a donc les rues qui démarrent au sud de Manhattan, et plus on monte vers le nord, et plus donc on augmente le 47e rue, 48, 49, et donc on démarre à la deuxième rue quand on est plein sud. Et l'auberge donc est à l'intersection de la 47e rue, c'est-à-dire derrière nous, puisque l'Empire State Building est dans la 32e. Et au niveau des avenues, nous sommes donc sur la 5e, ça partage l'île en deux. Et donc quand on va vers l'est, on a la 4e, ensuite la 3e, 2e avenue, 1er avenue. Et quand on s'oriente donc vers l'ouest, on a la 6e, la 7e avenue, 8e avenue. Donc c'est très facile à se repérer. L'auberge de jeunesse qu'on va essayer de zoomer tout à l'heure est située donc entre la 2e et 3e avenue, donc forcément à l'est de la 5e avenue, c'est-à-dire de ce côté, et en remontant donc jusqu'à la 47e rue, comme on est à la 32e, c'est donc un peu plus au nord, et donc on est obligé au niveau de l'observatoire de se déplacer de l'autre côté. Alors l'île de Manhattan est bien sûr beaucoup plus longue que large, donc en largeur les rues, et donc comme l'auberge de jeunesse est à l'intersection entre la 2e et 3e avenue, donc presque à l'intersection de la 2e avenue et de la 47e rue, elle se situe donc derrière ces gratte-ciel, dans cette zone-là que je vais zoomer. Les avenues donc qui sont toujours orientées du sud au nord font 18 km de long. Et bien sûr les rues sont moins longues puisque en largeur il y a quelques kilomètres seulement. Donc on voit bien Central Park. Il y a donc la 5e avenue qui est juste dans l'axe de la caméra, qui longe Central Park du côté est. Et puis donc la 7e avenue qui longe Central Park du côté est. Donc dans cette zone de Central Park, demain on a rendez-vous à 11h30 devant le Plaza Hotel pour partir donc sur le Yankee Stadium. Et c'est là que se trouvent aussi les Planète Rock, Hard Rock Café. Si on a le temps, on pourra y faire un saut. Il y a également un petit zoo à Central Park qui se situe à peu près au milieu. La zone résidentielle où se trouvent beaucoup de grandes vedettes,
cinéma se trouve dans la 5e avenue, le long de Central Park. C'est là que se trouvent également tous les grands musées, Guggenheim, Metropolitan, un des plus prestigieux musées du monde. Et la 5e avenue se termine au nord, dans le quartier de Harlem, donc sur une même avenue qui fait 18 km, on peut avoir différents types de quartiers. Et l'Hudson, donc, qui va jusque bien sûr dans la baie d'Hudson, jusque dans l'océan Atlantique ici. Voilà, East River et Hudson. Et des terrasses où on peut voir des gens se mettre en transat pour bronzer. Bon, il fait un peu frais là pour le faire, mais c'est du côté de Central Park, par là-bas, côté ouest. On est en haut de l'Empire State Building, qui est à l'intersection de la 5e avenue qu'on voit en bas, avec toujours ces fameux taxis jaunes. Et donc, intersection 5e avenue qu'on voit là, et la 34e Street, qui est donc au pied également, bien sûr, de l'Empire State Building. Et on voit autant de taxis new-yorkais. Bien, mais c'est sur une photo. C'est mieux par là, il paraît. Donc c'est facile de s'orienter, ouais, parce que tout est quadrillé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc quand on dit qu'on habite New York, il suffit de donner deux chiffres, par exemple 47e et 3e avenue, et on trouve tout de suite, malgré que ce soit la plus grande ville du monde. Il n'est pas utile d'utiliser un plan comme on peut le faire à Paris, trouver les petites ruelles, les petites rues qui sont souvent difficiles à déchiffrer sur un plan. Bien sur ce plan, donc l'Empire State Building, où on était en haut, qui est donc à l'intersection de la 5e avenue, ici,
et donc la 34e rue qui passe ici devant et Central Park dans l'alignement de la 5e avenue. Donc toute la ville de Manhattan est quadrillée, on voit bien donc le quadrillage, à part donc Broadway qui est la seule rue qui part en diagonale et qui traverse donc Manhattan de ouest en est et du nord au sud. Et à l'autre aéroport qui est donc à l'ouest de New York, dans le New Jersey. Et donc l'avion, on le suit avec la caméra, il atterrit au aéroport. L'avion donc que l'on voit, un peu flou, atterrit donc à cet aéroport-là, LaGuardia Airport, Kennedy Airport ici, et donc l'aéroport de Newark qui est ici. Là, l'avion est tout seul. On le voit bien. Enfin, moi, je le vois. Je ne sais pas si j'ai dans le champ de la caméra. Et il va, bien sûr, faire débarquer ses passagers. On voit l'avion qui fait une manœuvre. J'espère que c'est moins flou sur l'écran que ce que je vois dans le viseur parce que je ne vois pas grand chose dans le viseur. Voilà, sur cette carte on voit bien donc l'île de Manhattan, ici Central Park, l'aéroport, donc la Guardia ici, et le golfe de Long Island qui donc sépare le Bronx de Long Island. Brooklyn, et puis donc l'océan Atlantique ici. Et on arrive en bateau en passant sous le pont de Verrazzano pour atteindre donc Manhattan. On a la chance d'avoir la vue complètement dégagée. Et avant-hier, si on l'avait mis au programme, on n'aurait rien vu puisqu'il pleuvait, tout était couvert. Cet après-midi shopping, et puis demain la dernière journée pour s'envoler après-demain, lundi vers 16h on part de l'auberge, et le matin donc visite de l'ONU à pied depuis l'auberge qui est donc dans ce coin-là, et l'ONU est à 10 minutes à pied. On va donc s'apprêter à redescendre. On redescend par groupe et puis on va manger. Ils sont tous partis. Oui, on y va. Ils sont tous partis. On filme. Je suis en train de faire un commentaire. Donc ce soir, il est prévu qu'un groupe aille à Chinatown. Pour l'instant, on attend, nous aussi. Oui.
On entend. On entend Cécile qui va. Et donc, Sean Ayton pour un groupe qui ira voir Titanic en version originale. Leonardo DiCaprio. Avec la vraie voix de Leonardo DiCaprio. Et le cinéma est également accessible à pied depuis l'auberge, qui est donc là-bas. Sur la première avenue, donc la première avenue, c'est l'avenue qui longe East River. Là, vos collègues qui râlent, et puis mes collègues râlent, parce que je filme, c'est ça. Et donc, et il y a un groupe qui restera à l'auberge et qui ira manger dans les environs de l'auberge ce soir. Et donc, pour l'instant, on reste tout seul dans l'Empire State Building et Monsieur Zakaria s'occupe même pas de nous. Il nous laisse tout seul. Tout seul, sans surveillance. Alors un groupe sur Cécile. Alors mon groupe composé de Mélanie, Sophie, Cécile, Mickaël, Kelly. Il en manque pas parce qu'on est tous paumés, vous occupez pas de nous. On va juste partir à notre chien. On est même pas en complet avec vos bêtises. Où ils sont? Bah ils sont tous, ils attendent là. Bon. Il y en a déjà deux là. Et ce qu'il faudra faire, Sophie, c'est que prendre des prises de vue au niveau de l'auberge, quand vous rentrez à l'auberge, donc de l'extérieur. Pour l'instant, et puis tu fais comme tu fais, tu rentres, l'ascenseur, etc. Hein? Allez, alors je. Ils sont descendus, non, ils sont là. Bon, on y va, c'est où la sortie? Exit? C'est là, voilà. Allez, tout le monde sont là. On attend l'ascenseur. Bah oui, c'était là tout à l'heure, il y a 10 minutes, là, maintenant, ici. C'est bon, on a rendez-vous au soleil en bas sur la 32e. Où on était tout à l'heure. Monsieur, on mange bientôt? Ouais, on mange en bas. On mange nos sous, j'espère. Oui. On mange chez quoi? Vous me donnez combien? 15 dollars? Je vais vous donner les 20 dollars, ouais. 10 d'hier, 10 aujourd'hui. Pour aller où? Au McDo? Ok. Eh ben, on va choisir par groupe, on va choisir l'endroit. C'est cool comme ça, ce qui nous restera de. Il nous restera 5 dollars pour ce soir. Ce soir, ben, ceux qui veulent faire un extra de Chinatown, ils mettent au bout. Ceux qui vont au cinéma, eh ben, ils vont payer le cinéma. Si vous mangez moins. Cinéma, on ira. J'ai repéré un petit endroit sympa juste à côté de l'auberge. Ben ouais, bon, je ferme la caméra.